Je suis Paul Chiambaretto, je suis professeur de stratégie à Montpellier Business School et je suis le directeur de la chaire Pégase, une chaire dédiée à l'économie et au management du transport aérien et qui est soutenue par le groupe ADP. Je suis passionné par le transport aérien et par l'aviation depuis que je suis tout petit. J'avais un poster de cockpit de Boeing 747 au-dessus de mon lit quand j'étais enfant. Mon père était pilote privé et je voulais moi-même être pilote de ligne. Et finalement, alors maintenant, je suis uniquement pilote privé, mais je continue de travailler sur le secteur aérien. Le voyage d'affaires est un des segments les plus importants pour le secteur du transport aérien. Les compagnies aériennes sont particulièrement sensibles à la demande des passagers à faire. Ils sont certes peu nombreux, environ 25 à 30% des passagers, mais ils vont représenter une part importante des revenus, entre 50 et 75%. Autant le segment des voyageurs loisirs a repris relativement rapidement, ce n'est pas le cas des voyageurs d'affaires, et donc il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal à reprendre. Est-ce que c'est lié à la visioconférence? Est-ce que c'est lié à des décisions qui sont prises par les entreprises? On considère qu'il y a une baisse de l'ordre d'à peu près 80% de la demande de voyages d'affaires suite à la crise. Et ça s'explique essentiellement par une certaine frilosité de la part des entreprises qui ne veulent pas prendre le risque légal d'envoyer leurs salariés à l'étranger ou en déplacement et qu'ils tombent malades à destination. Et la deuxième raison, c'est aussi le fait que ces voyages d'affaires, on peut les remplacer par des visioconférences, en tout cas à court terme. Alors qu'un voyage finalement personnel ou pour des loisirs, on ne peut pas le remplacer par de la visio. En plein dans la crise, on avait un remplacement qui était de l'ordre de 60% à peu près. Actuellement, on est plutôt autour de 50%. À plus long terme, lorsque les frontières réouvriront, lorsqu'il y aura moins de restrictions, on pense qu'à peu près 30 à 40% des déplacements professionnels seront remplacés par de la visio. Mais c'est un remplacement qui est vraiment pertinent à court terme, parce que ça permet de faire des économies, de réduire ses émissions de CO2, c'est bien. Mais à plus long terme, on a besoin de se voir en vrai. Parce qu'on ne peut pas lancer de nouveaux projets, conquérir de nouveaux clients, sans finalement être dans la même pièce qu'eux. C'est le seul moyen d'arriver à créer cette relation de confiance. Dans le cadre de notre étude, on a pu observer que la majorité des déplacements des voyageurs d'affaires français étaient essentiellement à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Europe. Seuls 20 à 30% des passagers aériens qui se déplacent pour motifs professionnels vont prendre l'avion sur des vols long courriers. La majorité des déplacements professionnels sont essentiellement domestiques ou à l'intérieur de l'Europe. Les trajets courtes distances peuvent être soit des trajets directs, soit des trajets qui vont après alimenter un vol long courrier. Et dans ces vols long courriers, les passagers à faire représentent une part significative des revenus. Et donc finalement, la suppression ou l'arrêt d'un certain nombre de vols à courte distance peut avoir tout un tas de répercussions sur la rentabilité, la profitabilité de routes sur du long courrier aussi. Et donc c'est assez difficile, en tout cas à l'instant, de bien identifier l'ensemble des répercussions que peut avoir la suppression de ces vols. On a du mal à savoir quel est l'impact finalement de la crise sur les prix des billets d'avion, que ce soit pour les passagers loisirs ou pour les passagers affaires. Il y a deux tendances contradictoires. Première tendance, c'est on a des compagnies aériennes qui n'ont pas volé pendant plusieurs mois, qui ont besoin de rembourser des prêts et donc elles vont augmenter les prix. Mais de l'autre côté, le fait qu'elle n'ait pas volé, ça va générer aussi une guerre des prix entre compagnies aériennes qui ont envie de se rattraper d'une certaine façon. Et donc on a à la fois une force à la hausse, une force à la baisse, et donc l'impact réel sur les prix est encore incertain. Le voyage d'affaires, on a tendance à le voir comme une dépense, mais il faudrait surtout le voir comme un investissement. Et pour le coup, des études ont montré que le voyage d'affaires avait un retour sur investissement, un ROI, qui était de l'ordre de 12. Ça veut dire que pour chaque euro dépensé en voyage d'affaires, en moyenne, ça rapporte 12 euros à l'entreprise. Donc oui, le voyage d'affaires, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus. En conclusion, il y a des raisons d'être optimiste parce que la visioconférence est un très bon substitut à court terme. Ça permet de remplacer les voyages d'affaires à court terme, ça permet d'économiser des coûts, ça permet de réduire des émissions de CO2, mais ça ne permet pas de lancer de nouveaux projets. Et c'est pour ça que la visioconférence, finalement, fonctionne sur certains projets, mais pas sur tout. Et donc, les voyages d'affaires sont nécessaires pour pouvoir développer de nouveaux projets, conquérir de nouveaux clients. Et tant qu'il n'y aura pas ces nouveaux voyages d'affaires, on ne sera pas en mesure de lancer de nouveaux projets.